Bon, les gars, vous avez tellement insulté, multiplié les vidéos pour traumatiser Philippe Simon. Juste, il était dans l'obligation de faire une autre sortie pour expliquer, pour donner plus d'éclaircies, pour donner plus de détails sur sa sortie, sur son passage à Canal 2 International et aussi certaines vidéos qu'il multiplie depuis quelques jours. Donc, écoutez-le attentivement. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, Monsieur Philippe Simon, comme moi, écoutons ensemble. Je ne suis pas en train de dire, comme certains veulent caricaturer mes propos, qu'il ne faut pas aller au Canada. Je n'ai jamais dit ça. Je pense que toute l'émission, même quand j'ai eu un contradicteur face à moi, il n'a cessé de dire ça alors qu'à aucun moment je n'ai dit ça. J'ai toujours été très clair sur le fait que, pour moi, c'est possible, bien évidemment, d'aller à l'étranger si on pense qu'au pays on galère. Par contre, j'ai apporté une précision pour dire aux gens qu'il y a certains niveaux de revenus que quand tu les as au pays, n'aie pas l'illusion que tu gagneras plus au Canada. Pourquoi? Parce que quand tu vas y aller, tu ne vas pas avoir accès aux plus top métiers. Non, tu n'auras pas les plus top métiers parce que, prenons un exemple simple. Beaucoup de personnes au Canada, quand ils y vont travailler dans les call centers, moi, j'ai travaillé dans l'école Center quand j'étais encore en école d'ingénieur en France. Je n'étais même pas diplômé. C'est-à-dire que c'était avec mon bac. J'avais des gens qui c'était le métier, on touchait les mêmes salaires. Qu'est-ce que ça veut démontrer? Ça veut démontrer que dans les métiers du call center et autres métiers, marketing, communication, en fait, c'est ton habilité à pouvoir faire la chose qui te qualifie beaucoup plus que ton titre. Par contre, pour construire un bâtiment, non. Tu as besoin de connaissances techniques. Et dès qu'on entre dans le niveau de connaissances techniques, les Canadiens disent c'est réglementé. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi je disais donc que les diplômes ne sont pas reconnus au Canada. J'ai beaucoup de respect, bien évidemment, pour les gens qui quittent leur pays pour aller chercher un avenir meilleur ailleurs, parce que ça demande un certain courage pour le faire. Et il n'a jamais été question pour moi de me moquer de quiconque. Mais je rapporte et je remets l'église au milieu du village, parce que je pense qu'il est important de ne pas non plus entretenir une illusion aux gens. C'est important. Il y a une exception faite à tout ce que j'ai dit là. C'est le métier de l'informatique. Mais ça, je vous développerai davantage ça dans la deuxième vidéo. L'informatique est un cas à part au Canada. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on en parle dans la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, je serai honoré d'y répondre. Et arrêtez avec les commentaires du quartier qui disent que non, il ne connaît pas le Canada, il n'a pas vécu au Canada. Qu'est-ce qui peut être plus faux que de dire ce genre de conneries en 2024? Il faut vivre dans un pays pour savoir ce qui est écrit sur Internet sur ce pays, les gars. À un moment donné, voilà. Je répète, les diplômes camerounais, ivoiriens, sénégalais, béninois, togolais, et j'en passe, ne sont pas reconnus au Canada. Voilà la phrase que j'ai tenue il y a de cela quelques jours dans une émission de grande écoute au Cameroun qui portait sur l'immigration. Il faut savoir que le Cameroun est devenu le deuxième pays d'immigration dans la province du Québec au Canada. Et donc, il y a énormément de Camerounais qui sont au Canada et qui ont été choqués par ces propos. Je voulais donc, dans cette vidéo, bien développer ces propos et maintenir la position que j'ai tenue sur le plateau de télévision. Je le répète, les diplômes camerounais ne sont pas reconnus au Canada. Pourquoi cette phrase a choqué beaucoup de gens? Parce que je pense que beaucoup de gens ont confondu deux choses. J'ai même vu quelques personnes faire des vidéos dans lesquelles ils développaient davantage l'incompréhension autour de deux notions. Il y a une différence entre un diplôme qui est reconnu dans un pays et le fait de pouvoir travailler. Il se trouve que le système anglo-saxon est différent du système francophone. Dans le système francophone, vous travaillez en fonction de votre diplôme. C'est tout. Tu débarques dans une entreprise, la première chose qu'on te demande, c'est quel est ton diplôme? Tu as une licence, tu as un bac, tu as un master, et c'est en fonction de ton diplôme que tu appartiens à une catégorie de rémunération. C'est comme ça en France. Il se trouve que dans le monde anglo-saxon, c'est pas comme ça. Dans le monde anglo-saxon, en réalité, il y a une double logique. Sur certains métiers, il y a effectivement une logique de grille, mais pour le reste, tu peux venir du quartier et dire que je veux faire le travail de chef de projet. Si tu convaincs l'employeur qui est en face de toi, il te donne le boulot, tu fais tes preuves et tu es rémunéré comme tel. Ce n'est donc pas lié à la reconnaissance de ton diplôme. Et voilà pourquoi il y a eu une grosse ambiguïté dans mes propos. Parce que beaucoup de personnes ont dit, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on vient du pays avec nos diplômes et on travaille. Oui, vous travaillez. Mais ça ne veut pas dire que vos diplômes sont reconnus par la province du Québec. Et je vais vous le démontrer très simplement dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on appelle reconnaissance de diplôme? C'est par ça qu'il faut commencer. Qu'est-ce qu'on appelle reconnaissance de diplôme? La reconnaissance de diplôme signifie que le pays dans lequel vous allez reconnaît que votre système éducatif a le même niveau que le sien. Et à partir de là, quand on comprend ce que c'est qu'une reconnaissance de diplôme, on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, d'être allé sur Mars pour se poser des questions si des pays comme des pays africains, dans lesquels les étudiants sont formés sans aucun matériel, essentiellement sur la base théorique, peuvent réellement avoir le même niveau que des étudiants formés au Canada avec des équipements beaucoup plus sophistiqués. Prenons un cas de figure très simple, la médecine. Est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un qui est formé au Cameroun, système dans lequel il ne va probablement jamais voir dans son école un certain nombre d'équipements, pendant ses stages, il n'aura probablement pas l'occasion d'être confronté à certains outils, parce que la médecine aujourd'hui, c'est beaucoup d'outils. Pensez-vous qu'il est réellement de taille à pouvoir avoir le même niveau que quelqu'un qui est formé aux États-Unis, au Canada, en France? Je ne pense pas.
Et ça, ce n'est pas une insulte ou une offense pour les gens qui ont été formés dans nos pays africains. Ça démontre juste le retard que nous avons sur le plan académique et tout ce que nous avons à faire pour nous mettre à niveau. Prenons un autre exemple. Quelqu'un, par exemple, qui est formé dans le domaine de l'architecture. Pensez-vous réellement que quelqu'un qui a été formé au pays ait le même, ait des connaissances avec un système dans lequel les villes ne sont pas cartographiées de la même manière? Parce que les villes occidentales, si vous remarquez bien, elles ont des cartographies qui se ressemblent. Dans nos pays, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui est formé en architecture en Afrique, vous pensez vraiment qu'il a le même... Je ne vais pas dire niveau, parce que c'est comme si je parle de niveau intellectuel. Je ne parle pas de niveau intellectuel ici. Mais est-ce que vous pensez qu'il a les mêmes outils? Il est assez outillé pour aller au Canada et commencer à travailler tout de suite? Je pense que la réponse sera non dans la plupart des cas. En revanche, et je vais vous prendre des exemples concrets, quelqu'un qui est formé en France dans le domaine de l'ingénierie peut aller au Canada et commencer à travailler directement. Pourquoi? Parce que le Canada reconnaît les diplômes qui ont été obtenus en France. Et vous savez comment je le sais? Parce que les deux pays, le Canada et la France, ont signé des accords de reconnaissance mutuelle de diplômes. Ça veut dire que quelqu'un qui a été formé en France, dans l'ingénierie en France, qui est ingénieur reconnu dans les ordres d'ingénieurs en France, parce que je veux préciser ici qu'il y a beaucoup de fausses écoles d'ingénieurs en France qui vous forment à des diplômes et vous n'êtes même pas à l'ordre des ingénieurs en France. Il y a des sites, je suis de formation ingénieur industriel en France. Il y a un site en France qui permet, pour ceux qui le souhaitent, d'aller vérifier si quelqu'un est réellement ingénieur. Vous allez sur ce site-là, vous tapez mon nom et vous allez voir mon nom, mon diplôme, l'année à laquelle je l'ai obtenu, quelle est ma spécialité. Tout figure dans ce site pour tous les ingénieurs de France qui ont été bien évidemment validés. Il y a un site que je vais vous mettre en barre de description et il y a même un document qui parle des diplômés de France, une entente entre le Québec et la France. Ces dernières années, une entente importante a été signée afin de faciliter la reconnaissance mutuelle du titre d'ingénieur entre le Québec et la France. L'arrangement sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ARM facilite la mobilité professionnelle et l'insertion des travailleurs et travailleuses qualifiés sur le marché de l'emploi des deux territoires. Et en fait, c'est la raison pour laquelle la France est le pays numéro un qui envoie des talents au Canada. La France est le numéro un des pays qui envoient des personnes au Canada. Pourquoi? Parce que quand les Français arrivent au Canada, ils n'ont pas à repartir à l'école. Dans la plupart des cas en tout cas. Ils peuvent avoir besoin, pour certains métiers comme la médecine, de devoir peut-être refaire des validations de quelque chose. Mais ils ne retournent pas à l'école. J'ai des camarades de classe, ingénieurs de mon école, parce que mon école, le Canada a sorti une liste, je vous envoie le lien dans la barre de description. Le Canada a sorti une liste des écoles d'ingénieurs françaises avec la liste des diplômes de ces écoles-là qui sont reconnus au Canada. Je suis allé vérifier, mon école figure bien dans la liste, mon diplôme figure bien dans la liste et tous les diplômes que mon école fournit en ingénierie figurent dans la liste. Donc quelqu'un qui est diplômé de mon école en France va au Canada, il travaille. C'est le cas de beaucoup de mes camarades. Mais je ne veux pas qu'on fasse cette ambiguïté parce que s'il est vrai que les diplômes servent à travailler de nos jours, il est tout aussi vrai qu'il y a des nuances là-dedans à apporter. Ce n'est pas parce que tu travailles dans un système comme je l'ai dit tout à l'heure que ça veut dire que ton diplôme est reconnu par le pays. Un employeur peut décider, parce qu'on est en Amérique, vous savez qu'en dans le système anglo-saxon, on dit « montre-moi ce que tu sais faire ». On n'est pas là pour savoir ce que tu as dans un parchemin ou pas. Et ce n'est pas forcément mauvais. « Montre-moi ce que tu sais faire et je te paye ». Donc si tu sors du quartier et que tu sais démontrer que tu sais faire un boulot, eh bien on te paye. Et ça fait donc que les gens qui viennent du pays, avec leur diplôme, postulent à des jobs. Mais je vais peut-être vous surprendre, les amis. Faites un test. Ceux qui ont par exemple eu un master au pays. Okay? Postulez et dites que vous avez eu une licence. Si le boulot... vous démontrez que vous pouvez le faire, vous verrez qu'on vous prendra avec votre licence et qu'on vous paiera la même somme. A contrario, si vous avez eu une licence et que vous postulez pour un boulot dans lequel vous avez le sentiment qu'on demande à des gens de niveau supérieur et que vous postulez et que vous êtes retenu, vous serez payé en fonction de votre négociation comme les autres si vous savez bien évidemment bien négocier votre rémunération. Ça prouve donc que l'entreprise en réalité, ce n'est pas votre diplôme qu'elle va aller voir comme étant la compétence ultime. Ça veut donc dire que quand les gens viennent au Canada, ils doivent le savoir. En réalité, au Canada, il y a deux types de métiers. Et c'est ici qu'on va vraiment arriver dans, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle des métiers réglementés. Les métiers réglementés, ce sont les métiers qui touchent à la vie et à la sensibilité, à la santé des Canadiens. Ce sont les métiers d'ingénieurs, les métiers qui ont trait à la santé, donc médecins, infirmiers, sages-femmes, avocats, tous ces métiers-là qui touchent réellement au cœur de la vie des Canadiens sont appelés des métiers réglementés. Et pour les métiers réglementés, je le dis, je le répète, aucun diplôme africain, enfin, sauf, parce que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une exception d'un pays. Aucun diplôme des autres pays africains n'est reconnu au Canada. Aucun. Absolument aucun. Peu importe l'école que tu as faite au pays. Si tu viens au Canada et que tu dis que tu veux travailler dans l'ordre des ingénieurs avec ton diplôme d'ingénieur du pays, tu vas recommencer l'école à zéro, comme si tu avais eu le bac. Vous entendez ce que je dis? Tu vas recommencer à zéro. Maintenant, bien évidemment, il peut y avoir des exceptions ou si tu parviens à bien négocier, l'école peut peut-être reconnaître que bon, ok, on va peut-être te valider une année et il va te rester quatre ou cinq années de ton cursus. On peut te valider une année et demie. Mais dans le principe, si ton pays n'a pas un accord avec le Canada pour les métiers réglementés, tu recommences
on évalue ce que tu sais faire. Et dans certains cas, on peut dire que toi, tu recommences à zéro. Tu as eu bac plus 5 dans ton pays, tu viens au Canada, tu recommences à zéro. Et il y a beaucoup de gens qui ont recommencé à zéro parce qu'ils voulaient obtenir le titre d'ingénieur au Canada. D'autres ont décidé qu'ils allaient, bien évidemment, commencer à travailler directement. Mais ces personnes qui travaillent directement au Canada, elles n'appartiendront jamais à l'ordre des ingénieurs du Canada. Jamais, 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 jamais. Je vous ai donné cet exemple entre deux pays. Quelqu'un qui est diplômé en France, qui va au Canada, il est intégré tout de suite. Alors, il y a une procédure qui peut durer plus ou moins longtemps. Mais au terme de la procédure, parce qu'on doit reconnaître son diplôme, ça passe bien évidemment par des étapes. Est-ce que son école est dans les écoles affiliées, ainsi de suite? Est-ce que son diplôme, on présente son diplôme? Ça peut prendre un certain nombre de temps. À la suite de cette phase de reconnaissance-là, il est intégré au système de travail au Canada. Aussi simple que ça. Et une fois donc que cette personne est intégrée au système de travail canadien, il peut mettre dans sa signature ingénieur, ING. Aussi simple que ça. Quelqu'un qui vient du pays ne le fera jamais. C'est bien la preuve que nos diplômes ne sont pas reconnus. Le fait que, et ça c'est très important de le spécifier ici, le fait que tu puisses avoir accès au travail, je l'ai dit tout à l'heure, ne signifie pas que ton diplôme est reconnu par le pays. Pas du tout. Maintenant, le Canada, j'ai dit tout à l'heure, a réparti le travail en deux secteurs, n'est-ce pas? Le secteur des métiers réglementés et le secteur des métiers non réglementés. Pour les métiers non réglementés, ce sont les métiers non sensibles. Marketing, ainsi de suite, communication, littérature, voilà, des métiers un peu comme ça. Pour ces métiers-là, effectivement, comme ce ne sont pas des métiers à grands enjeux, eh bien pour ces métiers-là, tu peux venir avec ton diplôme et discuter. Déjà, dans le cadre de la discussion, vu qu'il n'y a pas de réglementation, tu peux aller voir une université, si tu veux poursuivre tes études, par exemple, et l'université peut décider, sur la base de ce que tu lui présentes comme licence, master, ainsi de suite, dans ces métiers non réglementés, de te prendre au niveau de ton diplôme et tu continues. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme tu peux aller en entreprise avec ton diplôme dans un secteur non réglementé et tu continues. La preuve que ce que je vous dis est vrai, mais je ferai une deuxième vidéo là-dessus, c'est que l'essentiel de nos frères et sœurs qui sont au Canada travaillent dans des métiers non réglementés. Si ce que je dis là est faux, qu'ils viennent dire dans les commentaires. L'essentiel, je pense que même 99% des gens qui quittent l'Afrique pour venir s'installer au Canada travaillent dans les métiers non réglementés. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que les métiers non réglementés, ce sont les métiers les moins bien rémunérés au Canada. Ou plutôt, devrais-je dire, les métiers réglementés sont rémunérés beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Et à ce niveau, si je voudrais faire un mea culpa, parce que pendant l'émission, j'ai dit que les gens qui étaient ingénieurs au Canada touchaient entre 180 000 et 400 000 dollars. C'est archi faux. En fait, il y a eu une confusion dans ma tête parce que je parlais des médecins. Et donc, l'émission, elle est longue. À un moment donné, tu dis des choses. Et à ce moment-là, je me suis complètement trompé. Je ne parlais pas des ingénieurs. Les ingénieurs au Canada touchent entre 80 000 débutants et peut-être, allez, disons, 160 000. Mais bon, c'est comme tout. Hein. Tu peux aller un peu plus que ça. Par contre, les médecins vont jusqu'à 400 000 dollars. Je pense que les Canadiens ne me contrediront pas là-dessus. Donc, je tiens à rétablir donc la vérité de mes propos sur cette confusion que j'ai dite dans l'émission. Je parlais plutôt des médecins. Donc, 99% de nos frères qui vont au Canada font donc les métiers, du point de vue des Canadiens, moins bien rémunérés. Par contre, certains ont décidé de repartir à l'école pour obtenir un titre d'ingénieur. Parce que quand tu as un titre d'ingénieur, tu gagnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que si tu ne l'avais pas. Déjà, tu n'as pas accès au même type de métier. Est-ce que maintenant mon point est clarifié? Je l'espère. Pour récapituler, au Canada, il y a deux types de métiers. Les métiers réglementés, qui sont les métiers techniques, les métiers qui rémunèrent le mieux, sont les métiers pour lesquels, pour y accéder, il faut avoir un diplôme, soit d'un pays reconnu par le Canada. Et j'ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler du pays africain. Parce qu'en fait, il existe un accord qui s'appelle l'accord de Washington. L'accord de Washington est un accord dans lequel un certain nombre de pays se sont mis ensemble pour reconnaître que leurs diplômes entre eux peuvent s'équivaloir. Et parmi ces pays, donc, on a l'Afrique du Sud, l'Australie, le Bangladesh, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, bien évidemment, le Costa Rica, les États-Unis, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Royaume-Uni, la Russie, Singapour, Sri Lanka, Taipei, Chinois, Turquie. Voilà les pays qu'il y a dans l'accord de Washington. Donc, quand quelqu'un est diplômé dans ces pays-là, il peut circuler beaucoup plus facilement en termes d'équivalence. Vous voyez bien que dans ces pays, à part l'Afrique du Sud, je crois qu'il n'y a pas d'autres pays. En plus donc de ces pays-là, le Canada a signé ce qu'on appelle tout à l'heure, comme j'ai dit, l'ARM, avec un pays particulier qui est la France. Et donc les diplômes français, comme les diplômes de ces pays-là, sont reconnus au Canada. J'espère que ça clarifie les choses.